Bonne fête de Mouloud à toute la communauté musulmane du Tchad et celle d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Célébration officielle hier après-midi de la naissance du prophète Mohamed, le chef de l'État, a été représenté par le ministre de l'Éducation nationale Aboubakar Assidik Choroma. La cérémonie a lieu à la Grande Mosquée en présence de nombreuses personnalités. Reportage Mamad Saleh Babayaro. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. C'est à travers la lecture des versets coraniques que la cérémonie marquant la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut dédié soit pour lui, a commencé dans la grande salle de la grande mosquée d'N'Djamena. C'est le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidik Choroma, qui a représenté le président de la République, Idriss Déby Itno, à cette cérémonie commémorative. En présence de quelques personnalités, des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad et des représentants des grandes institutions du pays. محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد حبيب الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله. Pour le premier vice-président et secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdeddaïm Abdallah Ousmane, la commémoration de la fête des Maulouds Tachérif revêt une grande importance pour les fidèles musulmans. C'est la raison pour laquelle les fidèles musulmans ont répondu présents pour célébrer avec faste cette commémoration. Nous présentons nos voeux les plus chaleureux au président de la République, aux membres de sa famille, à l'ensemble du gouvernement ainsi qu'à tout le peuple tchadien à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Nous appelons les musulmans à revenir sur la voie d'Allah et à se repentir. Nous devons faire le bilan de nos actes tant sur le plan individuel que collectif. Le musulman est le symbole de la stabilité et de la paix. Il doit prôner la véracité, l'honnêteté et la confiance. Avec tout son entourage, le prophète Mohammed, salut de Dieu soit sur lui, a dit « Soyez clément avec vos entourages d'ici, dans ici-bas, pour qu'Allah soit clément avec vous. » Cheikh Abdeddaïm Abdallah Ousmane appelle les fidèles musulmans à respecter les valeurs enseignées par les prophètes. Mohammed, paix et salut de Dieu soit pour lui. Il exhorte par ailleurs tous les musulmans à cultiver l'amour du prochain, la tolérance et le pardon. Dans le cadre toujours de la célébration de la fête du Mouloud de la première dame Hinda Déby Itno a communié ce samedi avec les enfants de différentes confessions religieuses un véritable moment de partage et de communion au cours duquel des cadeaux ont été distribués aux enfants. La cérémonie a lieu au centre Iali de Farcha dans la commune du 1er arrondissement en présence de nombreuses personnalités. Amadia Yabas. Une maman formidable donne toujours naissance à des enfants exceptionnels. S'inscrivant dans cette logique, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, fonde son espoir sur ses enfants issus de différentes confessions religieuses pour bâtir un Tchad meilleur. Pour que ses rêves se concrétisent, le cadre idéal est la célébration de la fête anniversaire de la naissance du prophète de l'islam Mohammed. Réunis au sein du centre Iali, les enfants orphelins venus de différents établissements de la capitale sont conviés ici pour recevoir les cadeaux de la maman nationale. À eux s'ajoutent des invités de marque qui ont répondu à l'invitation de la Fondation Grand Cœur pour le partage des gâteaux. Plantant les décors, la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Habiba Saoulba, a salué la présence de toutes ces personnalités venues soutenir les élèves orphelins issus de différentes confessions religieuses. Le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdeddaïm Abdallah Ousmane, quant à lui, fait un bref aperçu sur la naissance du prophète de l'islam.
sa vie et ses multiples actes de générosité avant de rendre un hommage à la Fondation Grand Cœur à travers sa fondatrice Hinde Debi Itno. À tout Seigneur, tout honneur, sur le podium dressé pour la circonstance, ce sont les enfants qui ont pris la commande. Des versets coraniques, prières et poèmes sont aux couleurs de l'événement. Madame la première dame, hier c'était les tables bancs aux établissements, aujourd'hui ce sont des cadeaux. Par ces deux actes posés parmi tant d'autres à notre endroit, tous nous tes enfants tenons très sincèrement à vous dire merci. Très enthousiasmée, la première dame du Tchad, Hinde Debi Itno, invite les enfants du pays de Toumaï en ces termes. Mes chers enfants, cette année je ne vous fais pas un discours, mais juste vous dire quelques mots. L'islam est une religion d'amour, de pardon et de partage. L'islam n'établit pas de frontières et de différences entre les hommes que Dieu a créés. L'humanité tout entière forme un seul corps car notre rameau est unique. Après ces propos aimables, la main clémente de la première dame du Tchad a servi au partage des gâteaux aux enfants. C'est dans la joie, la convivialité et la fraternité que ces enfants, surtout les orphelins, retrouvent le sourire et l'amour d'une mère soucieuse du devenir de ses progénitures. La première dame du Tchad, Hinde Debi Itno. Et dans l'extrait qui va suivre, la première dame Hinde Debi Itno appelle ses enfants à la culture de la tolérance, de la cohabitation et du vivre ensemble. Suivez. Un an après le lycée Ibn Sina, nous voilà réunis aujourd'hui au centre Iali pour l'encadrement et la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme que nous réunissons tous les ans les enfants tchadiens de toutes les confessions religieuses pour vivre ces instants de communion, de partage et d'allégresse. Nous devons suivre les enseignements du prophète qui a montré aux hommes le chemin de la droiture et de la solidarité menant au bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Que l'on soit musulman ou chrétien, donnons-nous la main pour cultiver la fraternité humaine. Le Coran et la Bible, nos deux livres saints, nous enseignent que tous les hommes sont des frères. Mes chers enfants, c'est dans l'unité, la concorde et la cohésion que nous pourrons porter notre pays au rang des nations qui prospèrent. Soyez soudés et aimez-vous les uns les autres. Le Tchad de demain reposera sur vos épaules, car vous êtes la lumière qui éclairera ce long trapèze de 1 284 000 km². Permettez-moi, à la faveur de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de remercier et d'encourager les fidèles musulmans du Tchad qui se sont mobilisés ces dernières semaines dans les mosquées pour implorer la clémence d'Allah en faveur de notre pays. Qu'Allah nous ouvre grandement la porte de sa miséricorde et bénisse le Tchad, notre chère patrie. La fête du Mouloud est également célébrée à travers nos provinces. À Moundou, c'est l'école Oud qui a servi de cadre à la cérémonie de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Robert Doumio. Cette manifestation commémorative de la naissance du
prophète Mohammed. Parmi les invités, on note la présence du gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, et ses proches collaborateurs, ainsi que celle des responsables des autres confessions religieuses. La célébration de la fête anniversaire de la naissance du prophète Mohammed a été marquée par des récitations, louanges, poèmes et prêches. Dans son intervention, le vice-président du Conseil supérieur pour les affaires islamiques du Logone occidental, Cheikh Ali Aboubakar Bourma, a remercié l'assistance sortie nombreuse et le gouverneur Dago Yacoub d'avoir fait le déplacement. Il a à cette occasion demandé à tous les fidèles de cultiver la tolérance, le pardon et l'amour du prochain en vue de préserver la paix dans notre pays et surtout de beaucoup prier en ce sens pour que le vœu de tout un chacun soit exaucé par Dieu. Dans son prêche, Cheikh Jalal Mohamed Ali Barka a souligné l'importance de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed mentionné dans le livre saint et a demandé aux fidèles musulmans de célébrer cette fête telle qu'elle, c'est-à-dire sans aucune interprétation. À Ati, dans le Bata, la grande prière a été organisée hier en présence du gouverneur de la dite province, Mohamed Taïd Jibril Al-Hour. Le Maulid, c'est une occasion éminente que les musulmans d'Ati, à l'instar des autres, ont fêté par un remerciement envers Dieu pour avoir fait apparaître le prophète de l'islam, Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Et comme c'est une manifestation de joie et de réjouissance pour sa noble naissance, des versets coraniques ont été récités et des poèmes ont été chantés pour louer le prophète. Le but de la célébration de l'anniversaire du prophète de l'islam est selon Cheikh Ahmad Khalid Manoufi, président du Conseil supérieur des affaires islamiques section du Bata, de montrer son statut auprès des dieux et d'informer de son historique et de sa conduite. Le gouverneur de la province du Bata, Aliou Adam Abdoulaye, qui a assisté à cet événement religieux, n'a pas manqué l'occasion pour appeler ses concitoyens au respect des valeurs islamiques et de s'éloigner des comportements qui détruisent la société et menacent la coexistence pacifique. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, est né l'année de l'éléphant, le 12e jour du printemps. Il est caractérisé par sa sincérité, son honnêteté et son courage. Les fidèles musulmans de la province du Salamat ont également célébré dans la joie et la communion des cœurs cet anniversaire. Mohamed Abdelbanat nous en parle. À l'instar des musulmans du monde, Sédentiment et ses environs ont célébré hier vendredi 8 novembre la journée marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, par des festivités qui ont rassemblé plusieurs centaines de fidèles. Dès le début de la cérémonie, l'étudiant Ousmane Khalil a procédé à la lecture de quelques versets du Saint-Coran avant de céder la parole à Cheikh Ibrahim Mohamed Ali qui a fait la présentation de la biographie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Tour à tour, plusieurs fidèles ont présenté des poésies consacrées au prophète de l'islam. Lors de son intervention, l'imam de la grande mosquée, président du conseil supérieur des affaires islamiques, branche du Salamat, Al-Goni Al-Sharif Hadjarou, a fait l'éloge du prophète Mohammed, paix sur lui, avant d'exhorter les fidèles à observer la culture de la paix qui est une recommandation divine que l'islam impose à ses fidèles. D'une cérémonie à l'autre, ce matin, c'est autour de la mosquée de Cheikh Dahab Shahat, située au quartier commerçant dans la ville d'Amtiman, d'organiser une cérémonie pour célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix sur lui. Cette cérémonie a drainé un grand nombre de fidèles venus de divers quartiers de la ville pour participer à cette commémoration. Notre correspondant Mohamed Sayanoura Bakari était à la grande prière organisée à Biltine dans la province de Wadi Fira. Voici son compte rendu. C'est avec ses louanges, lecture de Saint-Coran et de panagériques du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, que le fidèle musulman de Biltine et ses environnants, à leur tête le gouverneur de la province de Wadi Fira et Sheikh Ahmad Arja, ont commémoré la fête de naissance du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah soit sur lui.
Elle est célébrée selon la tradition à la date du 12 Rabi al-Awwal, troisième mois de l'année musulmane. Les intervenants à cette occasion ont mis un accent fort particulier sur la biographie du prophète, riche en enseignements islamiques, sans oublier les caractères familial et social de la fête des Maulid. Ils ont invité les fidèles musulmans à se conformer à l'aspect tradition de cette fête de naissance. Au nom des autorités locales, le maire de la commune de Biltine, Habib Doudou, a présenté ce vœu le meilleur à tous les fidèles musulmans de Biltine partant la province de Wadi Fira. Il demande aux fidèles à privilégier l'amour du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui et le respect d'autrui. Il les invite à aider les autorités locales pour assurer davantage la sécurité des personnes et leurs biens. C'est en connaissance du rang du prophète Mohammed auprès de Dieu et la miséricorde dont il est porteur que chaque musulman célèbre cette nuit de naissance. Rendons-nous à présent à Béché où les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour accomplir leurs devoirs religieux. Youssouf Bongaye. La paix, la cohabitation pacifique, l'amour de la patrie et le désarmement des civils, entre autres, ont dominé les différentes allocutions prononcées à cette occasion. Le président du comité d'organisation, Mohammed Amin Ali Imam, a remercié tous ceux qui ont contribué pour la réussite de la commémoration de la naissance du prophète. Le représentant d'Al-Azhar al-Sharif, Cheikh al-Hussein Ahmed Assed, a indiqué que le prophète Mohammed est le messager envoyé par Dieu à l'humanité. Il a demandé aux fidèles de se comporter comme les prophètes. Le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Wadaï, Cheikh Younous Mahmoud, a exhorté les fidèles d'œuvrer pour la paix, la tolérance et l'amour du prochain. Le sultan du Darwadaï, Sherif Abdelhadi Mahdi, a indiqué que la célébration de la naissance du prophète Mohammed a une importance capitale dans la vie des musulmans. Il a demandé à la population qui détient des armes illégalement de les remettre aux services concernés. Officiant la cérémonie de commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le sous-préfet d'Abéché, Rual Maki Ahmad Koubar, représentant le gouverneur de la province du Wadaï, a remercié le Conseil supérieur des affaires islamiques du Wadaï d'avoir organisé cette cérémonie qui a un sens très important pour le musulman. Il a également invité la population d'œuvrer pour la paix, la stabilité et la cohabitation en pacifique. Voilà, même son de cloche à Mao où les fidèles se sont retrouvés à la grande prière en présence du gouverneur de la province, Mamad Oumar Warouf. La cérémonie a commencé par la lecture des cinq Corans. C'est une fête célébrée par la confrérie Tidjani de par le monde. Ici au Tchad, cette fête est officialisée par le gouvernement du Tchad. C'est ce qui a fait que cette journée est fériée. C'est pourquoi, dans sa prêche, Cheikh Ibrahim Ahmad, chef de cette confrérie, remercie le gouvernement tchadien pour l'importance qu'il attache à cette journée et prie pour que la paix durable pour notre pays. Cheikh Ibrahim Ahmad a présenté la biographie du prophète de l'islam, paix et bénédiction soit sur lui, ses caractères sans égal, et la grandeur ont été largement relevées par le Cheikh et le louangeur. Ibrahim Ahmad dit aux fidèles musulmans dans son message que l'islam est une religion de tolérance, de paix, de pardon et de justice. Ibrahim Ahmad a saisi cette opportunité pour demander aux fidèles de suivre l'exemple de leur prophète. Dans son adresse, le gouverneur de la province du Kanema Santera a relevé que cette journée doit servir de cadre de tolérance et de pardon entre tous les fils de la province. Je voudrais remercier tous les ulémas ici présents, tous ceux qui participent également à cette paix, les encourager, n'est-ce pas, à aller de l'avant, à privilégier le dialogue et la cohabitation entre les différentes religions au Tchad. Le vœu le plus cher de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a toujours su et qui a toujours pu diriger notre pays dans le calme et la sérénité. Chaque musulman, selon le gouverneur, doit suivre le chemin du messager de Dieu, le prophète Mohammed, P
paix et salut soient sur lui pour bénéficier bénédiction divine. Et puis ici à N'Djamena, une autre cérémonie a lieu à la mosquée Magama Ibrahim, c'est dans le 6e arrondissement de la capitale, plus précisément dans le quartier Abdi Djoumbala. Précision Idriss Omar Idriss. À la mosquée Magama Ibrahim au quartier Abdi Djoumbala, les fidèles musulmans ont commémoré Mouloud avec l'allégresse. Une communion organisée pour réciter les versets coraniques, faire des éloges à l'égard du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Ulema, élève de Khalwa Fatir Rahman et d'éminentes personnalités ont parlé sur l'importance de la célébration du Mawlud. L'imam de cette mosquée, Cheikh Saad Ousmane Mohamed, au cours de son allocution, a indiqué que le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, est envoyé comme miséricorde à la nation. Et célébrer sa naissance n'est qu'un devoir religieux pour tout musulman. Dans l'ordre de préséance, les dirigeants de cette mosquée ont conseillé à l'assistance d'apprendre à leurs enfants l'amour du messager d'Allah. Et ceci est un devoir pour tout fidèle de connaître qui est Mohammed avant de suivre ses recommandations. Et au bas de ce chapitre consacré à la célébration du Mouloud, sachez que le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Katiré Issa, a participé aux festivités marquant la naissance du prophète Mohamed en Égypte. À ses retrouvailles, le président du Conseil supérieur a été décoré par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Moussa Modou, Abdoulaye, précision. Célébration de Mouloud al-Sherif en Égypte. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khatir Issa, est à l'honneur. Il est décoré au Caire par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour son leadership et le rôle qu'il ne cesse de jouer pour la cohabitation pacifique au Tchad ainsi que la promotion de la culture islamique. Pour le président de la Ligue islamique mondiale, Dr Mohamed Ben Abdelkrim Issi, cette distinction confirme la détermination et l'engagement du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. De retour au pays, Cheikh Mohamed Khatir Issa s'est dit très réconforté et dédie cette décoration au peuple tchadien. Selon le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, au-delà de cette décoration symbolique, c'est un geste qui vient renforcer le lien de coopération entre les deux pays. Voilà, autant pour moi, le reportage est signé Bachar Yaya Issahanga. Tout autre chose à présent, parlons plus précisément de la politique avec la relance officielle ce matin à N'Djamena des activités de l'Association tchadienne pour les formations et les observations des premières élections législatives de la 4e République. Celle-ci entend jouer sa partition pour des élections libres et apaisées. Membre du gouvernement, conseiller à la présidence de la République, chef des partis politiques et diplomates étaient présents à la cérémonie. Devant un parterre d'éminentes personnalités et bien d'autres invités, l'Association tchadienne pour les formations et les observations des élections ADFOE relance officiellement ses activités. Autorisée à fonctionner le 8 janvier 2019, cette association de la société civile, constituée d'une équipe pluridisciplinaire, se propose d'apporter sa contribution à l'ancrage de la démocratie au Tchad pour des élections apaisées. Pour le président du comité d'organisation, cet événement est un déclic. Les présentes assises énoncent des grands chantiers quant à entreprendre l'ADFOE en termes de sensibilisation, de formation et d'éducation civique électorale des non-citoyens du pays et de ceux vivant dans la diaspora. L'ADFOE, faut-il le relever, est une organisation qui s'inscrit dans le macrocosme des regroupements de la société civile tchadienne, certes. Cependant, la particularité de cette structure est qu'elle est imbue d'idées propres, de pensées intelligentes et constructives auxquelles sont alliées l'éthique, le respect de la divergence d'opinion, la différence, des débats contradictoires et la dignité humaine.
Les missions et ambitions sont dévoilées par le président de l'association pour les formations et les observations des élections. L'association tchadienne pour les formations et les observations des élections à Tefoué a eu son autorisation de fonctionner le 8 janvier 2019. Elle est à but non lucratif, apolitique et non confessionnel, avec comme mission, entre autres, d'aider les instituts chargés de l'organisation des élections à gérer pour répondre aux attentes de notre pays. Pleinement sa partition dans la gestion des futures élections législatives et communales, car à travers la formation, la sensibilisation et l'orientation des citoyens sur les règles et conduites électorales, les principes fondamentaux du droit de vote, le respect du code électoral, l'observation électorale et la gestion des contentieux électoraux. Les experts consultants électoraux ont salué l'engagement et le patriotisme des membres de l'ATFOE et rassurent de leur soutien. L'ATFOE entend mener une vaste campagne de sensibilisation et d'éducation civique et électorale sur l'ensemble du territoire national. Ceci en vue de susciter une prise de conscience des populations sur l'importance du vote. Et puis, dans le cadre du suivi et évaluation des activités de l'état d'urgence, plusieurs armes de guerre ont été présentées ce matin à Gosbeida en présence du ministre de la Défense et celui de l'administration en mission conjointe dans la province. Aman Isaac Azina. Les images sont époustouflantes. Près de 2000 armes de guerre, tout calibre confondu, sont présentées à la presse. Un nombre qui croît quotidiennement et qui vient confirmer l'information selon laquelle la province de Sila serait assise sur une poudrière. En mission pour évaluer les activités de l'état d'urgence, les deux membres du gouvernement mandatés pour coordonner celle-ci ont fait le déplacement de Gosbeida, chef-lieu de la province de Sila. Aussitôt arrivé, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général des corps d'armée Mohamed Abbali Salah et celui de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées Mohamed Ismaël Chaïbo convoquent tous les différents responsables militaires pour des orientations. Occasion pour le gouverneur de la province de Sila, Kedala Younous Hamidi, de saluer la détermination et la capacité des forces de défense et de sécurité pour leurs sacrifices et ce, malgré les difficultés de tout genre. Le gouverneur suggère que le SILA soit placé en état d'urgence jusqu'en avril 2020 ou à défaut décréter cette province comme une zone d'opération jusqu'à nouvel ordre. Le chef d'état-major général des armées, premier adjoint Toufa Abdoulaye Issa, s'est aussi félicité de la bravoure des hommes sur le terrain dont il leur apporte tout son soutien. Très touché par cette énième présentation des armes récupérées des mains des civils, le ministre en charge de la Défense nationale et de la Sécurité souligne que les résultats enregistrés depuis l'instauration de l'état d'urgence sont au-delà de toute attente. Vous avez prouvé aux yeux du monde votre engagement de nettoyer l'est du pays et soyez rassurés que nous vous soutiendrons jusqu'au bout, devait rassurer Mohamed Abbali Salah. Toutefois, le ministre appelle à la vigilance et au respect strict des consignes de sécurité durant les différentes opérations. Tout comportement tendant à ternir l'image de l'armée sera puni, avise le ministre qui exhorte à plus de professionnalisme. Fini la rencontre, direction Tissi, une localité située à la frontière Tchad-RCA-Soudan. Dès leur arrivée, Mohamed Abbali Salah et Ismaël Chaïbo ont visité la base de la force mixte Tchad-Soudan. Comme à Abéché ou encore à Gosbeida,
Les deux ministres ont échangé avec les éléments des forces de défense et de sécurité et leur ont transmis le même message. Ici, Mohamed Abbali Salah et Mohamed Ismaël Chaïbo ont invité les uns et les autres à la plus grande vigilance dans cette zone stratégique. Les deux ministres sont accompagnés dans ce déplacement de plusieurs généraux responsables des grandes formations militaires et des directeurs techniques de leur département. Voilà, je vous propose à présent de suivre un extrait de l'intervention donc du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense nationale par rapport aux avancées de cette mesure gouvernementale. Suivez. Lors de notre premier passage, moi et mon collègue de l'administration, désigné comme superviseur en fait de ces activités, nous avons mis en place nos différents secteurs qui doivent opérer, qui doivent exécuter les orientations en fait données par le décret qui a institué cet état d'urgence. Aujourd'hui, après 3 mois, il est tout à fait logique de venir d'évaluer nos forces qui sont sur place et voir les bilans. Et aussi, il faut continuer à donner des consignes dans le bon déroulement de notre mission. Et vous avez constaté avec nous, depuis que les activités ont été commencées, surtout dans les deux provinces, à savoir les provinces de Wadaï et Sila, où l'aspect des armements est notre point essentiel. Aujourd'hui, jusqu'à cet après-midi, nous sommes à peu près à 7800 et quelques armes de différents calibres récupérées par les civils. Ça justifie que la nécessité en fait de cet état d'urgence et les nécessités de désarmer. Nous avons toujours déploré en fait le chef de l'État lors de sa visite dans cette province où par la suite l'état d'urgence a été décrété, a parlé de mort d'homme. Et nous pensons que toujours, et nous pensons toujours que c'est ces armes-là qui sont dans les mains des civils qui occasionnent des morts, des milliers de morts. Donc nous allons toujours garder le cap. Nous avons félicité et encouragé nos forces de défense, de sécurité et de continuer à faire le travail. Et nous avons aussi constaté une accalmie dans le cadre des conflits intercommunautaires. Comme vous savez, depuis que l'état d'urgence a commencé, nous avons constaté peu de conflits. Donc tout ça entre dans les actifs d'état d'urgence. Et nous n'avons pas aussi laissé, on avait échangé avec nos forces de défense et sécurité dans le cadre de leur mission, surtout respecter les consignes sécuritaires. Et vous savez qu'avec vous, la presse ou d'autres, nous constatons que depuis quelque temps, nous avons vu écouter des plaintes de la population à travers des réseaux sociaux ou à travers des organisations des droits de l'homme. Et c'est une question aussi qui nous préoccupe. Malheureusement, nous n'avons pas constaté quelque chose en fait palpable sur lequel nous allons agir, mais nous avons toujours dit à nos forces, écoutez, c'est dans notre mission, dans notre formation, dans notre conduite que nous respectons la population, nous respectons les droits de l'homme. On leur a beaucoup insisté sur ce point. Nous pensons que ces organisations ou cette structure des droits de l'homme doit aussi apprécier nos actions. Voilà le ministre Mohamed Abdali Salah dans des propos recueillis par Amane Isaac Azina. L'automédication dans le traitement du paludisme, parlons-en. La population s'adonne depuis un certain temps à une pratique dangereuse et décriée par le ministère de la Santé publique. Ce soir, je vous invite à suivre ce reportage irrelatif et qui montre les bonnes pratiques dans le traitement du paludisme. Il est signé d'Amgilit Nejoël. Le paludisme est l'une des premières causes de mortalité au Tchad. Puisque la population y est fréquemment exposée, elle prétend dans sa majorité mieux le connaître et le traiter facilement. Dès la présentation des symptômes de cette maladie, le premier réflexe qui se développe chez les patients, c'est la prise des médicaments. Le produit dont j'ai l'habitude de prendre, c'est Artemether. En injection ou soit, je prends quinine 300 ou 600 en comprimé aussi. Il arrive souvent, que ce soit dans ma famille ou moi particulièrement, je tombe malade du paludisme. Oui. Et je sais d'avance que le paludisme, on a certains produits qui peuvent déjà calmer à un temps record le paludisme. Mais moi, ce dernier temps, j'ai fait recours à la médecine traditionnelle.
l'automédication est plus dangereuse que la maladie elle-même. Docteur Didi Arisugudi est le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. La première des choses à faire pour le soin du paludisme est, selon lui, la fréquentation d'un établissement sanitaire. Une fois au centre de santé, vous vous présentez chez le personnel soignant, l'infirmier ou le médecin, il vous consulte. Et dans l'interrogatoire, vous allez dire quelles sont les raisons qui vous ont amené. Et une fois interrogé, ils vous font un test pour exclure un palud si les signes concourent vers le paludisme. Les tests diagnostiques, s'il est positif, il faut classer le paludisme en paludisme simple ou en paludisme grave. Pour chaque cas de paludisme, il faut un traitement spécifique. C'est pour cette raison que les produits s'inscrivant dans la gratuité des soins sont conseillés. Voilà les acétiques que le Fonds mondial avec l'État tchadien se mobilise pour vendre, pour acheter et mettre à la disposition de la population. Ça, c'est pour un enfant. Un matin, un soir, un enfant de 5 à 15 kilos. Ça, c'est pour un enfant de 15 à 25 kilos, des matins, des soirs. Et il y a également la forme adolescente, des enfants de 25 jusqu'à 34 kilos. C'est 3 comprimés matin, 3 comprimés le soir, 3 jours. Si vous avez un adulte, c'est 4 comprimés matin, 4 comprimés. Ça, c'est l'artémétère lumefantrine. Il y a également l'artesunate amodiaquine, qui sont aussi disponibles au Tchad. Je vois tout le monde en marchant vient prendre de l'artémétère. Ce n'est pas la politique nationale. Nous avons des documents de diagnostic du paludisme qui est distribué à tous les structures sanitaires. Nous avons également, en nous formant avec ces manières de formateurs, tous les responsables qui prennent en charge le paludisme. Il faut respecter ce protocole national qui est agréé par l'OMS et valable pour tous les pays africains qui vivent sous le tropique. Attention, un bel esprit ne disait-il pas que tout ce qui nous est familier n'est pas pour autant connu? Ainsi donc, quelles que soient les connaissances que l'on puisse avoir sur le paludisme, son traitement est l'apanage du personnel médical. Pour que plus jamais le paludisme ne tue, il faut éviter l'automédication. Et puis, les lauréats de la 4e promotion des médecins spécialisés en gynécologie obstétrique de la Faculté des sciences de la santé humaine de l'Université de N'Djamena ont reçu leur parchemin ce samedi au cours d'une cérémonie officielle à l'amphithéâtre de la dite université. Reportage Kamlar Habiba Karion. Sept nouveaux spécialistes en gynécologie obstétrique sont sur le marché de l'emploi. Sortis de la Faculté des sciences de la santé humaine de l'Université de N'Djamena, ils viennent relever le défi aux côtés d'autres cadres du département de la santé publique. Des personnalités de marque ont honoré de leur présence à cette cérémonie de remise de diplôme. Et c'est le directeur général de l'enseignement supérieur, Dr Mahamat Bourgou Hassan, qui a représenté le ministre de l'enseignement supérieur. Le président du jury international, professeur Perrin René, par ailleurs parrain de cette 4e promotion, note que cette formation vient à point nommé dans un contexte où le Tchad a besoin des médecins spécialistes. Nous ne pouvons que nous féliciter, puisque dans les années 2011, au moment où germait ce projet, il y avait au Tchad 18 gynécologues, dont 14 exerçaient à N'Djamena. Lorsqu'on envisage le rôle des gynécologues obstétriciens au service des populations, c'est vraiment au service des populations. Le professeur Perrin René déplore cependant l'insuffisance des médecins spécialistes et appelle les jeunes à s'intéresser davantage à ce secteur. Pour la représentante des récipiendaires, Dr Zeynab Daoud Kinefou, il s'agit d'un défi relevé pour le développement du secteur sanitaire au Tchad. Vous avez développé en nous la rigueur et la culture d'excellence. Nous voudrions ici vous rassurer que nous sommes vos produits et que nous ne vous décevrons pas. Officiant l'événement, le directeur général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation appelle les lauréats à faire preuve de professionnalisme pour mieux répondre aux besoins de la population. Vous avez désormais les connaissances, les compétences, la confiance, la compassion
les capacités et les capacités nécessaires pour rendre la vie des autres meilleure avec les détiens. Vous avez mis de la volonté, du temps, de la persévérance, de l'énergie. Donc bravo à tous. Je vous souhaite de susciter autour de vous de la confiance, de la hauteur de vie, de l'enthousiasme et surtout de la disponibilité à soigner. La remise des diplômes a été le moment le plus marquant pour les lauréats qui s'engagent à donner le meilleur d'eux-mêmes au grand bonheur de leurs concitoyens. Et ceci en mettant l'accent sur l'humanisme et l'humilité comme l'exige la profession. Dans la campagne d'éducation et d'information sur les principaux facteurs du cancer entamée par le ministère de la Santé publique à travers la coordination du programme national de lutte contre le cancer dans la ville de N'Djamena vient de s'achever. Les communes du 8e et 7e arrondissement constituent la dernière étape. Varelaj. Soucieux du bien-être sanitaire du peuple tchadien, le ministère de la Santé publique, par le biais de la coordination du programme national de lutte contre le cancer, mène des sensibilisations dans les communes des arrondissements. À travers cette campagne d'éducation, d'information sur les principaux facteurs du cancer, la population des communes du 8e et celle du 7e arrondissement est en avant-garde sur les mesures de prévention. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer se prononce sur cette initiative entreprise par son institution. On s'est dit vraiment si on informe la population et si la population comprend ces 5 facteurs de risque, il y a d'autres facteurs de risque également, mais vraiment c'est les 5 principaux facteurs de risque où on peut, rien qu'avec la sensibilisation, on pourra déjà réduire d'à peu près 40% l'incidence de cancer. Si on arrive à sensibiliser toute la population de N'Djamena d'abord, après on va sortir dans les provinces et ça va vraiment réduire à peu près de 40% l'incidence de cancer au Tchad. Conscient de l'engagement du gouvernement qui, dans son plan d'action visant à améliorer les conditions de vie et sanitaires de la population, les autorités communales du 8e et celles du 7e arrondissement se réjouissent de cette initiative. Cette campagne d'éducation, d'information et de lutte contre le cancer regroupe les autorités communales, les chefs de carré et quartier ainsi que les délégués des arrondissements de la commune du 8e et celle du 7e arrondissement. Dans le Logono occidental, une deuxième réunion des parties prenantes sur la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine a lieu à Mundu, rencontre au cours de laquelle toutes les complications liées à cette maladie ont été données. Nudi Oudoum Gelbe. Le gouverneur de la province du Borou est accueilli en premier lieu au lycée de martyrs de Faya par le délégué à l'enseignement et à la jeunesse. Ces derniers et ses proches collaborateurs ont conduit les premiers magistrats de la province du Borku dans la bibliothèque et la classe des terminales D et A du lycée et la classe des 3e. Après le lycée des martyrs, le gouverneur de la province s'est rendu par la suite au lycée bilingue et l'école centre A où il est accueilli respectivement par le chef administratif de ces édifices scolaires. Partout où il a passé, les problèmes énumérés par le chef hiérarchique et les élèves sont les mêmes. Le gouverneur de la province du Borku, le général de division Ali Mede Kebir, dans son allocution, a exhorté les élèves à l'assiduité au cours et leur a assuré que dans bientôt des solutions idoines seront trouvées à leurs préoccupations. Il a par ailleurs lancé un appel aux enseignants retardataires de regagner leur poste de travail. Voilà, toutes nos excuses. Vous retrouverez l'élément de Mundu dans nos prochaines éditions. C'était là un reportage sur les activités du gouverneur de la province du Borku, le général de division Ali Maïdé Kebir, accompagné de ses proches collaborateurs. Ils ont visité les établissements scolaires de la ville de Faya pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2019-2020. Un reportage signé Djido Mamad Barka. Les étudiants en communication ont reçu leur parchemin à l'issue d'une formation technique de présentation des journaux parlés et télévisés. C'est une initiative de la Fondation Tchadienne de formation en collaboration avec l'Institut Polytechnique de communication. Idriss Omar Idriss. Avant d'aller à des stations de télévision et radio, les étudiants en communication de la section arabe ont appris ce que c'est la présentation des journaux.
une initiative de la Fondation tchadienne des formations qui juge utile d'apprendre à ses étudiants cette technique pour les familiariser davantage. Tous sont satisfaits et demandent à la Fondation d'intensifier ce genre d'action à leur profit pour la bonne maîtrise des techniques de la présentation. À entendre le directeur de cette fondation, Hamadi Mohamed, son organisation vise à accompagner les jeunes dans leur cursus académique pour mieux cerner leur filière. En 2 semaines, ces jeunes ont appris la technique de rédaction du texte pour le journal parlé et télévisé, et ceci pour renforcer leurs capacités techniques en communication qui leur seront utiles dans l'avenir. L'association Green Education a lancé officiellement ses activités ce samedi à la faveur d'une cérémonie qui a lieu au centre Almouna. On fait le point avec Varelet. Pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique dans le cadre de la scolarisation des enfants de la province de l'Ennedi Ouest, que l'Association pour le développement de la province de l'Ennedi Ouest et les 10 ministères ont signé un partenariat dans le domaine de l'éducation. Ceci pour permettre aux enfants de la dite province d'être scolarisés. C'est dans cette optique que les membres de l'Association pour le développement de la province de l'Ennedi Ouest, appuyés par les cadres ressortissants de cette province, ont pris en charge le déplacement de 31 enseignants affectés dans la province de l'Ennedi Ouest. Bref, tout le monde a mis la main à la pâte pour y contribuer à cette initiative louable. Il s'agit des enseignants fonctionnaires, les maîtres communautaires et les enseignants volontaires ressortissants de la dite province payés par l'Association pour le développement de l'Ennedi Ouest. Ils ont été embarqués ce vendredi pour la destination de l'Ennedi Ouest pour que chacun rejoigne son lieu de travail respectif. Pour les enseignants fonctionnaires, cette initiative est à saluer. Aujourd'hui, vraiment dû aux difficultés, l'association ADO nous a vraiment aidé à mettre le véhicule à notre disposition jusqu'à la destination. Les enseignants volontaires, quant à eux, veulent participer au développement de leur province. Nous avons beaucoup réfléchi en tant que ressortissants. Nous sommes si nombreux à adhérer, bien entendu, cette belle initiative pour le développement local, bien sûr. Former ses propres fils, ses propres petits frères, c'est un atout. De son côté, le président de l'Association pour le développement de l'Ennedi Ouest revient sur l'objectif fixé par son organisation. Vous savez, il faut aussi appuyer le ministère, il faut appuyer le gouvernement. Nous avons pris cette situation pour pouvoir vraiment apporter un soutien au ministère. Il faut l'accompagner. Nous l'avons fait l'année dernière, effectivement aujourd'hui aussi, on est en train de faire la même chose. Le président de la dite association, Hissène Wardougou Djimé, cette prise en charge du déplacement des enseignants de N'Djamena jusqu'à la province de l'Ennedi Ouest s'inscrit dans le cadre de la politique prônée par les plus hautes autorités du pays en matière de l'enseignement. Voilà, c'était là plutôt un reportage par rapport à l'affectation des enseignants dans l'Ennedi Ouest, donc les membres de l'Association pour le développement qui a donc volé au secours de ces enseignants en prenant en charge leur transport à leur lieu de service. Un reportage signé Mahmat Souleymane. Et puis l'association Yan Diplomate sensibilise les jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux. Les membres de cette association ont animé une conférence débat sur le thème « L'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse ». Idriss Omar Idriss. Les réseaux sociaux sont des outils de communication et d'échange très utilisés par les jeunes pour se distraire ou satisfaire un besoin. Mais ce phénomène a plus des inconvénients que des avantages à l'égard de la jeunesse. Pour mieux orienter cette génération, les membres de l'association Young Diplomate ont organisé une conférence débat sur le thème « L'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse ». Pour les conférenciers, les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, Twitter et autres permettent aux internautes de bien communiquer et avoir des informations relatives à leur milieu sociétal. Ceux-ci ne doivent constituer des canaux de diffusion qui portent atteinte à l'intégrité physique de la personne. Ils exhortent les jeunes à une prise de conscience collective pour la bonne marche de la société. À l'issue des échanges, des jeunes ont accentué le débat sur la mauvaise utilisation de l'outil Internet qui cause souvent des préjudices, source de conflits entre les personnes. Pour éviter ces dérapages, les membres de l'association Young Diplomate invitent les jeunes au respect mutuel et à l'intimité.
Voilà, faisons un peu du sport. Le club Mercato et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont organisé ce matin une marche dans la ville de N'Djamena. Cette marche entre dans le cadre de la lutte contre l'apatridie. Le thème choisi est « Unis par le sport pour lutter contre l'apatridie ». L'événement a vu la présence du ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mamat Nassoro Abdoulaye. John Odinistor. Il est 7h. La pelouse du stade de Paris-Congo dans la commune du 6e arrondissement est prise d'assaut par les amoureux du sport. Objectif, faire de la marche un moyen de lutte contre l'apatridie. Cette marche a commencé du stade Paris-Congo en passant par l'avenue Mobutu jusqu'au rond-point de l'Union, en passant ensuite par le quartier Kabalaï pour s'achever au point de départ. Une initiative de l'association Mercato Club en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cette rencontre sportive est saluée par le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi. À notre point de vue, c'est un exercice qu'il faut et c'est un événement réussi pour moi. Et je ne veux qu'exhorter et encourager les deux structures qui ont bien voulu organiser cette marche. Le mercato dans cet exercice. Et comme il s'agit du sport pour tous, le ministre des Sports n'a pas oublié d'exhorter la population présente à soutenir l'équipe nationale et sa version football. Je profite de ce micro pour vous demander pour que le 13, je m'excuse, le 17, on va accueillir l'équipe du Mali qui va croiser le faire avec notre équipe de Sao. Donc je vous demanderai de sortir massivement pour supporter votre équipe. C'est pour la première fois qu'on est arrivé à ce stade. Il faut que vous veniez quand même supporter, applaudir pour qu'on puisse gagner ce match. Le représentant adjoint du HCR au Tchad s'est dit satisfait des efforts consentis par le gouvernement du Tchad dans le cadre de la lutte contre l'apatridie. Mais aussi ici au Tchad, il faut dire qu'il faut saluer le gouvernement tchadien et le gouvernement de la République du Tchad pour ses efforts dans ce sens. Donc vraiment, avec assez peu de moyens, ils ont fait de grands pas. Et tout récemment à Genève, auprès du monde entier, ils ont pris des engagements, cet engagement, pour prévenir et réduire l'apatridie d'ici 2024. Unis par le sport pour lutter contre l'apatridie est le thème retenu pour cette marche sportive. Il faut noter que l'association Mercato Club est un groupe des jeunes ayant pour vision le changement à travers le sport. Voilà, et la lecture de ces actes du chef de l'État avant de nous séparer, décret 1845 portant nomination à un poste de responsabilité au ministère de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale. Monsieur Ziber Omar Ziber est nommé directeur des infrastructures aéroportuaires et météorologiques en remplacement de Monsieur Sebgué Nandé, appelé à d'autres fonctions. N'Djamena le 9 novembre 2019, Idriss Déby, Itno. Décret 1846. Portant promotion au grade supérieur à titre exceptionnel de 4 fonctionnaires du corps de la police. Les fonctionnaires du corps de la police dont les noms suivent sont promis au grade supérieur à titre exceptionnel conformément au tableau ci-après. Catégorie A, deuxième classe, au grade de contrôleur général de police de troisième grade, deuxième échelon, indice 3760 PC du 1er 7e mois 2019, Hissène Doudoua Hamid, matricule 79783. Catégorie A, deuxième classe, au grade de contrôleur général de police de deuxième grade, premier échelon, indice 3200 PC du 1er 7e mois 2019, Benguela Gidinga, matricule 21119. Abderrahman Amate Zentri, matricule 11591. Sougour Abdelkerim Déby, matricule 58898. N'Djamena, le 9 novembre 2019, Idriss Déby, Itno. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
très bonne suite des programmes et excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.